FIFA 76 250, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Xenoverse. Donc c'est pas le début d'une toute nouvelle petite série sur ce jeu. Donc sur je précise, on est sur PC, donc vous pourrez pas réaliser les choses que je fais dans cette vidéo sur PS4, ce sera juste sur PC. Donc c'est pour vous présenter une nouvelle série, donc je vais vous présenter des modes personnages. Donc je vais en faire quelques-uns, donc là je vais vous présenter un personnage et peut-être que la série durera sur le temps, donc je sais pas. Par contre, comment sera la fréquence de mes vidéos. Donc on va partir en combat libre. C'est parti. Donc ce personnage était un personnage modé Goku, donc il s'appelle Super Mega Goku. Donc c'est Goku en robot, voilà. Vous voyez, c'est un... Il l'appelle comme ça, il est tout doré le personnage. Donc voilà. Donc on va présenter ses attaques. Donc il a plaquage explosif, le Kamehameha, le Rocket Punch, le canon Kyoko, le Super Kamehameha, la flamme de l'enfer, explosion spirituelle, et la super arme c'est je vais t'anéantir. Donc vous pouvez voir que c'est écrit l'uniforme du robot rouge, donc parce qu'il a des attaques de personnages cyborg. Donc il a le Rocket Punch qui vient de C16, et la flamme de l'enfer également, donc c'est son ultime à C16. Donc c'est parti, on va faire un petit combat. Donc contre, on va dire, ouais, on va faire plusieurs fois ça. Non. Voilà, contre lui. Shin Koyushin from Universe 7. Voilà. Donc en espérant que ça bug pas, parce que tout à l'heure j'ai eu un bug quand j'ai fait ma première capture. Donc le jeu a planté, donc... Bah c'est ça le problème quand vous avez des mods. Le jeu a plus tendance à planter que si vous n'avez pas de mod, quoi. Donc c'est parti. En plus c'est bien, il y a la voix, tout. Donc ça commence mal pour l'instant. On va y faire un petit ultime. Allez. Ah, il l'a esquivé. Oh, il a fait des manchets. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ah, d'accord, ok. Et puis moi, je vais de là-dedans. Hein. Allez, prends ça. Ah, elle a esquivé. Ah non, elle a pas esquivé. Nickel. Allez, on va faire une petite flamme de l'enfer. Donc c'est pas terrible comme attaque. Donc je vous le dis, arrive déjà. Donc j'ai eu. Donc j'ai eu un peu de mal quand même à le combattre, mais vers le milieu du combat j'ai eu un regagnement d'énergie. Donc je l'ai combattu. Donc voilà, cette toute première vidéo de présentation de personnages modés dans Dragon Ball Z Xenoverse 2 est terminée. Donc je vous mettrai le lien comment l'avoir dans la description. Donc moi je vous dis prochaine pour prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye bye, portez-vous bien. Peace.